Et salut à tous et à toutes, et bienvenue dans The Legend of Zelda The Minish Cap, présenté par AzuleV3. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien, comme d'habitude. Donc alors, comme vous aurez pu voir dans le début de cet épisode, eh bien j'ai fait pas mal de quêtes annexes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un cœur supplémentaire. Et j'ai rempli mon flacon de l'aile. Enfin bref, j'ai fait le petit tour de Hyrule pour pour débloquer plein de choses. Voilà. Dans l'épisode précédent, nous avons été voir le roi Gustave, il me semble, je sais plus, mais nous avons visité la vallée du roi et nous sommes allés dans le tombeau du roi. Le roi nous a donné... alors, attendez... Non. Voilà, un joli petit fragment du bonheur en or. Et il nous a dit que c'était la clé du passage de la source des chutes d'eau, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est l'une des deux zones qui sont ici. Voilà. Et donc, eh bien, c'est parti. Je viens d'oublier un truc qu'on aurait pu faire en début d'épisode. Mais bon, c'est pas grave, on le fera peut-être en fin du coup. Mais bon, c'est pas grave du tout, parce que ça nous aurait permis de gagner un petit cœur en plus, et c'était pas mal. C'est un petit mini-jeu, quoi. Donc voilà, hop, cascade de Serra, et mon de Saria. Hop là, un petit cœur ici, allez. Voilà, c'est bien. Vous recevez un quart de cœur. Merci. Alors, on continue. Voilà. On fait une petite roulade. Quelle belle cascade! On doit avoir une belle vue. On doit avoir une vue splendide tout là-haut. Mais oui. Enfin bref. Voilà, les deux fragments se sont ouverts. Porte de la source. La porte de pierre s'est ouverte. C'était donc ça, la source des eaux. C'est vrai que cette cascade est la source des eaux du royaume d'Hyrule. Le roi Gustave a dit que cette porte nous mènerait au dernier élément. Allons voir ce qu'il y a derrière. Et là... Oh non, non, pas tout de suite. Parce que je viens d'y repenser à une quête B. Excusez-moi. Mais faut qu'on fasse une quête que je n'ai pas faite. Qu'il faut le faire avant de passer justement d'aller à un endroit où on va peut-être y aller dans cet épisode. Du coup, vu qu'on est revenu à la vie, je vais pouvoir faire le mini-jeu. Comme ça. Voilà, c'est ici. Voilà, un truc très important. Voilà, vous comprendrez sûrement plus tard. Ne vous inquiétez pas. Allez. Voilà. Chop. C'est rare d'avoir des visiteurs. Comment as-tu fait pour venir ici? Personne ne veut me croire, mais j'ai vu un fantôme rôder autour de Gust. Alors, est-ce que... Ah, oh, ouais, c'est bon, je suis bon. Hop là. Please. Hey, stoppez, please. Oh. Alors ici, ils sont vraiment friands des fragments du bonheur. Il faut en avoir, évidemment. J'espère que... Ah bah si. Mais celui-là, par contre, je le garde. Alors,
Oh non, un fantôme qui rôde autour de Gus. Gus. LOL. Gus DX, fantôme. Le truc. Enfin bon. Ça alors, grand-père a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas comment te remercier. Alors, il était bel et bien hanté par un fantôme. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, voilà. Ça, c'est fait. On peut repartir. Vous allez me dire, mais tu n'as rien fait. T'as juste enlevé un fantôme, récupéré des fragments de bonheur. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Vous allez voir par la suite. Vous allez voir. Donc alors, on va pouvoir faire ensuite ce petit mini-jeu et ensuite attaquer la source. Salut mon gars, bienvenue dans le Hall des Monstres. Tu veux que je t'explique le principe? Moi, je veux bien. Alors, comment t'expliquer ça? Bon, on va faire ça. C'est un jeu où tu combats des monstres dans un monde imaginaire. Et puis, il ne faut pas trop le répéter, mais... Si tu élimines tous les monstres, tu peux gagner un truc sympa. Enfin, ça fait partie des possibilités. Mais c'est pas parce que c'est imaginaire que tu ne crains rien. Ça oui. Si tu meurs dans le monde imaginaire, tu meurs réellement. Si tu... Ah bah, tiens, ça explique... Si tu te fais blesser dans le jeu, tu le seras vraiment. Et si jamais tu te fais mettre KO, je ne réponds de rien. Ça vient juste de l'expliquer. Voilà. C'est 10 repis la partie. Ça te tente? Oui. D'accord. Alors, allons-y. Détends-toi. Tes paupières sont lourdes. Tu as de plus en plus. Je vais compter. Et à 3. Tu seras plongé dans un monde imaginaire. 1, 2, 3. Youhou ! Alors. Ouah, non, pas de bouclier, pas de bouclier ! Ok. Ça c'est good. Voilà. Ça aurait pu avoir. Non, pas de bouclier, non, non, non. Parce que en plus il y a des ennemis. Le bouclier. Oui. Voilà. Voilà. Ah, j'ai pas réussi. Ah bah oui, je me suis tourné le bouton. Est-ce qu'on a une phase 2? Oui, on a une phase 2. Oh non. Non, non, non. Non. Bon, bon. Allez. Aïe. Ça va être chaud. Mais c'est souvent là. Non, mais non. Oh. Et le petit dernier, peut-être, oui, oui, de face. Ah. Vous recevez un quart de cœur. Vous en avez maintenant deux. Voilà. Bon. Alors tu as fait un beau rêve.
J'espère que tu reviendras. Oui, j'ai fait un très beau rêve. Bon, allez, go pour aller tout là-haut. Ah bah non, c'était pas là. Et attention, là par contre ça va être chaud bouillant. Parce que, non, Excello ne dit rien. Parce que c'est Excel. C'est excellent. C'est ça, c'était nul. Alors, ce qui est chiant quand il y a plusieurs passages, c'est que tu sais pas où passer parce que dans les deux passages, tu as des choses différentes. Non. Ah oui, c'est bon. Allez. Voilà. Merci. Allez. Ah, ok. Le sort de mur mystère. Où est-ce qu'il... Ah, ça sera déjà mieux. Que les élégants t'accompagnent. Esquive, pas esquive. Sur... Ah bah non, pas esquive. Alors, on passe par ici. Voilà. Il me semble qu'il y a... Ouais, il y a des trucs ici. Voilà. Là, c'est un piège. Voilà. Parce que normalement, on est censé venir d'en haut. Avec de super lags. Que l'on ne voit pas du tout. Moi, ça vient pas de moi, les lags, ça vient de chez vous. Les trucs. Ah, mais non, mais ça ramène. Attends. What? Ah, oui, d'accord, ça amène là-haut. Quand... Ah, oui, mais il me semble que c'est des coquillages, donc. Peu importe. Alors là, on va faire péter. Ça m'énerve quand il y a plein de mobs et qu'il faut changer son inventaire. Voilà. En fait, c'est pas ce que je fais. Ah là, on n'a pas fait la magnifique attaque. Voilà. Voilà. Là, il y a un truc. Ah bah non. Je pensais qu'il y avait une peste marchande. Une peste marchande. Voilà. Ouais, des coquilles, youpi! Alors, bam 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 bam. Donc en fait, si j'aurais pris les escaliers, on serait remonté ici. Ça va. Wow. Wow. Ça rame. Moi non, c'est pas... Ça rame de mon côté, mais c'est... Changer de connexion à Internet, hein. Ah là là. Ah oui, il y a un truc aussi. Avec ça. Par contre, je sais plus comment... On l'active. Attendez. Je pense qu'on entend les hauts. Ah ouais. C'est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tornade? On dirait bien qu'on est bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, sautons dans la tornade. Et attention, la musique. Je suis encore en vie. Azul V3, tu es complètement fou, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris de sauter dans cette tornade? On aurait pu y rester. Mais attends, ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée, finalement. On dirait qu'on est au-dessus des nuages. On devrait trouver quelque chose qui nous mènera à l'élément. En route.
Et voilà, voilà, nous sommes au-dessus des nuages. Et donc, je pense qu'on va se quitter là, parce que si je continue à aller plus loin, ça n'irait pas, et puis ça ferait une trop longue vidéo. Donc, oh tiens, toi t'as un assemblage. Ah ouais, mais je crois que je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Ah, ça, voilà. Donc alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les suivantes, les précédentes, même si c'est déjà fait, à commenter, à cliquer sur j'aime, à partager, à voir... Non à voir ma chaîne, à vous abonner, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est pas grave, c'est le souhait de la vidéo. Donc, merci à tous, et à la prochaine. Allez, bye.